Comme ils étaient d'humeur joyeuse, ils réclamèrent qu'on fasse venir Samson pour les amuser. On tira Samson de la prison et les gens se divertirent en le voyant. Lorsqu'on le plaça entre les colonnes du temple, il demanda au garçon qui le conduisait par la main : « Guide-moi pour que je puisse toucher les colonnes qui soutiennent le temple et m'y appuyer. » Or le temple était rempli d'hommes et de femmes. Les 5 chefs philistins étaient là et environ 3000 personnes se tenaient sur la terrasse pour se divertir à la vue de Samson. Alors Samson adressa cette prière au Seigneur. « Seigneur Dieu, souviens-toi de moi. Redonne-moi de la force, rien que cette fois, ô Dieu, afin que d'un seul coup, je puisse me venger des Philistins pour la perte de mes 2 yeux. » Samson palpa ensuite les 2 colonnes centrales sur lesquelles reposait le temple. Il appuya sa main droite contre l'une des colonnes et sa main gauche contre l'autre. Il s'écria « Que je meure en même temps que les Philistins !» Il poussa de toutes ses forces et le temple s'effondra sur les chefs et tous les gens qui s'y trouvaient. Ceux qu'il entraîna avec lui dans la mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant toute sa vie. Les frères et toute la famille vinrent chercher son corps. Ils l'emportèrent et le déposèrent dans le tombeau de son père Manoah, entre Sora et Eshtaol. Samson avait été à la tête des Israélites pendant 20 ans. Mika et son lieu de culte privé. 17. Il y avait dans la région montagneuse d'Éphraïm un homme appelé Mika. Un jour, il déclara à sa mère : « Tu te rappelles que lorsqu'on t'a dérobé 1100 pièces d'argent, tu as maudit le voleur en ma présence. Eh bien, j'ai cet argent, c'est moi qui l'avais pris. » Sa mère lui dit alors : « Sois béni par le Seigneur, mon fils. » Mika rendit les 1100 pièces d'argent à sa mère et elle lui dit : « J'ai décidé de consacrer solennellement cet argent au Seigneur en ta faveur, mon fils. Il servira à fabriquer une idole recouverte de métal fondu. Je te le mets donc maintenant. » Mais il rendit de nouveau les pièces d'argent à sa mère. Elle en prit 200 qu'elle donna au fondeur. Celui-ci fabriqua une idole recouverte de métal fondu qu'on plaça dans la maison de Mika. Or cet homme, Mika, avait chez lui un lieu de culte. Il fit fabriquer un autre idole ainsi que des statuettes sacrées. Puis il installa un de ses fils comme prêtre à son service. À cette époque, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun agissait comme il lui semblait bon. Un jeune lévite séjournait alors à Bethléem, localité de la tribu de Juda. Il quitta Bethléem pour chercher un autre lieu de résidence. En cours de route, il arriva à la maison de Mika dans la région montagneuse d'Éphraïm. Mika lui demanda : « D'où viens-tu ? » « Je suis un lévite de Bethléem, en Juda, » lui répondit-il, « et je suis à la recherche d'un lieu de résidence. » Mika lui dit : « Reste chez moi et deviens le prêtre de ma famille. Je te donnerai 10 pièces d'argent par an, ainsi que les vêtements et la nourriture qui te seront nécessaires. » Le lévite entra et il accepta de rester chez Mika, qui le traita comme son fils. Mika s'installa comme prêtre à son service et le logea chez lui. Mika se dit : « Je suis certain maintenant que le Seigneur me fera du bien, puisque j'ai un lévite pour prêtre. » Les Danites changent de territoire. 18. À cette époque, il n'y avait pas de roi en Israël. La tribu de Dan cherchait alors un territoire où s'installer, car à la différence des autres tribus israélites, elle n'en possédait pas encore. Les Danites choisirent donc parmi eux 5 hommes particulièrement courageux. Ils les envoyèrent des localités de Sora à Eshtaol avec l'ordre d'explorer soigneusement le pays. Ces hommes arrivèrent dans la région montagneuse d'Éphraïm et ils s'arrêtèrent près de la maison de Mika. Pendant qu'ils étaient là, ils entendirent le jeune lévite et reconnurent son accent. Ils allèrent alors lui dire : « Qui t'a demandé de venir à cet endroit ? Que fais-tu ici ? Qu'est-ce qui t'y retient ? » Il répondit : « Mika m'a offert une situation. Il me paie un salaire et je suis son prêtre. » « Eh bien, reprirent-ils, consulte Dieu. Nous désirons savoir si le voyage que nous avons entrepris réussira. » Le prêtre leur déclara : « Soyez en crainte, le Seigneur vous accompagne dans votre voyage. » Les 5 hommes se remirent en route et allèrent jusqu'à Laïch. Ils y trouvèrent les gens tranquilles, qui vivaient dans la paix et la sécurité, à la manière des Sidoniens. Personne n'avait rien à reprocher à celui qui exerçait le pouvoir dans la région. Les gens vivaient loin des Sidoniens et ne dépendaient de personne. Les envoyés d'Anite retournèrent à Sora et à Eshtaol, et leurs compatriotes leur demandèrent ce qu'ils avaient découvert. Ils leur déclarèrent : « Venez, allons attaquer les gens de Laïch. Nous avons constaté que la région est excellente. Ne restez pas là sans rien faire. » Dépêchez-vous de partir à la conquête de cette région. Quand vous y arriverez,
Vous trouverez une population sans méfiance établie dans un vaste territoire. Dieu vous livrera ce territoire où il ne manque de rien de ce qu'on peut avoir sur terre. Alors, 600 hommes de la tribu de Dan équipés pour le combat quittèrent Zora et Eshtaol. Ils allèrent installer leur camp à l'ouest de Kiriath Yéharim, dans le pays de Juda. C'est pourquoi cet endroit a reçu le nom de Mahané Dan, c'est-à-dire camp de Dan, qu'ils portent encore maintenant. De là, ils se rendirent dans la région montagneuse d'Éphraïm. Ils arrivèrent près de la maison de Mika. Les 5 hommes qui avaient exploré la région de Laïch dirent à leurs camarades : savez-vous que dans l'une de ces maisons, il y a une idole et des statuettes sacrées, ainsi qu'une autre idole recouverte de métal fondu ? À vous de décider ce que vous devez faire. Ensuite, les 5 hommes se dirigèrent vers la maison de Mika. Ils y entrèrent et demandèrent au jeune Lévite qui y habitait comment il allait. Pendant ce temps, les 600 Danites équipés pour le combat se tenaient à l'entrée de la maison. Les 5 hommes qui avaient exploré le pays, ayant pénétré dans la maison, s'emparèrent des différentes idoles, les statuettes sacrées ainsi que l'idole recouverte de métal fondu. Le prêtre se tenait à l'entrée avec les 600 hommes armés. En voyant les autres pénétrer dans la maison de Mika et enlever les idoles et les objets sacrés, le prêtre leur demanda : que faites-vous là ? Chut ! Lui répondirent-ils, ne dis pas un mot, viens avec nous, deviens le prêtre de notre tribu. Que préfères-tu, être prêtre pour la famille d'un seul homme ou pour toute une tribu israélite ? Le père fut très heureux de la proposition, il prit les idoles et les statuettes et se joignit à la troupe. Les Danites se remirent en route en se faisant précéder par les enfants, le bétail et les bagages. Ils étaient déjà loin de la maison de Mika puisque celui-ci et les voisins se rassemblèrent et se lancèrent à leur poursuite. Au cri qu'ils poussaient contre les Danites, ceux-ci se retournèrent et demandèrent à Mika : qu'est-ce qui te prend ? Que signifie cet attroupement ? Il leur répondit : vous vous êtes emparés de Dieu que je m'étais fabriqué et vous avez emmené mon prêtre. Il me reste plus rien et vous osez me demander ce que j'ai ? Ils lui répliquèrent : ne nous fatigue pas de tes plaintes. Certains d'entre nous pourraient en être exaspérés et vous attaquer. Tu causerais ainsi ta perte et celle de ta famille. Puis ils reprirent leur marche. Mika, voyant qu'ils étaient les plus forts, fit demi-tour et rentra chez lui. La ville de Dan et son sanctuaire. Les Danites emportèrent les objets que Mika avait faits et emmenèrent le prêtre qu'il avait eu à son service. Ils allèrent attaquer Laïch, massacrèrent la population paisible et confiante qui y vivait et brûlèrent la ville. Laïch, située dans la vallée de Beth-Rehob, était loin de Sidon. Et ses habitants ne dépendaient de personne. C'est pourquoi personne ne vint à leur secours. Les Danites reconstruirent la ville et s'y installèrent. Ils changèrent le nom qu'on lui donnait auparavant, Laïch, et l'appelèrent Dan, comme leur ancêtre, le fils de Jacob. Ils installèrent